Alors, me revoilons avec l'ouverture de courrier de Marie-Pierre. Alors, sa chaîne, je le retiens jamais. Super. Alors, Marie-Pierre, c'est... Alors, t'es où? T'es où? T'es où? Marie, activité, scrap et autres. Elle. Elle ne pouvait pas faire plus long. Voilà. Donc, c'est sa petite fille qui m'a décoré l'enveloppe. Hein. Sa petite fille de 11 ou 12 ans. Je ne sais plus quel âge elle a. Voilà, vous l'avez déjà aperçu sur les vidéos, enfin plutôt sa voix. Voilà, belle enveloppe, je reviens. Alors voilà, bon, on va découvrir tout ça. Hop là, oh, dis donc. Bon, Marie-Pierre, tu as le numéro 24. Voilà, retiens ton numéro 24. Oh là là, il y a plein de choses. Oh là là là. Alors, je commence par le courrier. Hein. Je vais vous basculer sur mes mains, vous verrez à peu près. Hop, voilà. Alors, ah, une petite carte pour Lucas. Oh. Oh, avec des dinosaures. Waouh. Ah ben c'est gentil ça. C'est fait par Océane. Océane, c'est la petite sœur de Lina qui a. Elle doit avoir 19, 9 ans. Voilà. C'est gentil. Lucas, il va être bien content. C'est très gentil. Oh là là. Et puis, hop, des stickers auto, des stickers dinosaures. Oh, ils sont beaux, ceux-là. Ils sont très, très beaux. On va encore faire un heureux. Ah, bah, c'est gentil, Marie. Merci pour Lucas. Hop. De toute façon, quand ils viendront, je leur ferai faire un petit mot pour vous remercier, pour ceux qui ont pensé à eux. Alors, je cherche la petite carte. Oh, c'est pas mal ça. Alors, elle m'a fait une petite pochette. Alors, en fait, je pense qu'elle a fait, elle a intégré les deux. Elle a fait une pochette plastifiée. Là, c'est scratché. Elle a mis les notes de musique à l'intérieur. Des partitions. Bonne idée. C'est pas mal. Ouais. Oh là là. Bon, il y en a des choses. Waouh. Alors, là, sa pochette, elle est pas mal. J'aime bien. Jolie pochette, elle a mis un petit ruban. Tu as pensé au ruban, Marie, hein, parce que tu as des tendances à pas en mettre. Un joli washi. Une petite fille qui joue de la flûte. Une qui joue du tambour. Et l'autre, ben, je connais pas du tout. Je sais pas ce que c'est comme instrument. Je pense que c'est une chinoise. Ça doit être chinois. C'est très beau. Je ne sais pas si c'est un washi, ça, mais... Ouais, c'est beau. Elle est pas mal, ta pochette, Marie. Bonne idée. Voilà. Bon, allez, on va découvrir tout ça. Alors. Ça
c'est un peu collé tout ça. Alors, une, là, sa carte, pas mal. Très jolie. Premier concours des 100 abonnés. Félicitations. Bien, merci, Marie. Alors, ton tampon de la guitare, il est embossé à chaud. Et là, le mot, je vois pas ce que c'est. Il y a un petit oiseau, une petite fille avec sa guitare à l'intérieur. Ouais, c'est beau. Ça doit être embossé ou bien c'est du feu. Non, non, ça doit être embossé à chaud, ça. Alors là, on a une partition sur le devant, puis des petits oiseaux. C'est mignon, tout plein. Voilà, on est Moridex. Très belle. La musique est la plus douce des mélodies. Bah oui. On est belle ta Memory Dex. Très jolie. Alors elle a mis du tamponnage. Elle a écrit à la main. La musique est la plus douce des mélodies. Alors là, je ne sais pas si c'est un tamponnage ou c'est déjà le papier comme ça. C'est beau. Puis elle l'a fait sur du carton. Ouais, elle est belle. Avec une fleur d'action. Elle est belle ta Memory Dex. Merci Sorette. Là, elle m'a fait une ATH. Toujours sur le thème de la musique. Alors, le papier. Ouais, le papier, c'est... C'est pas du tamponnage, c'est le papier comme ça avec les notes de musique. Je sais pas ce que tu as mis dessus. C'est pour le rendre un peu bruyant. Je pense que tu as mis un vernis colle. Et puis là, il y a une petite fille qui joue de l'harmonica. C'est une sur une. Je suis la seule à la voir. Pareil pour la Memory Dex. Merci. Ah bon, alors là, les découpes, hein, tu peux lire les yarnos. Hein. Oh, c'est bien. Alors, on a... Je vais ouvrir. Hein. Alors, on a... des découpes de bordure. C'est beau. On verra mieux. Allez, en fait, c'est comme ça. Elle est très belle. Ah, hier j'ai vu tes dailles. Dis donc, t'en as des beaux. Hein. Là, bah, c'est pas le même papier. Hein. Elle l'a fait en blanc cassé et celui-là est en blanc. Ensuite, ah bah, elle m'a mis des Memory Dex. Alors là, c'est une Memory Dex forme livre. En forme de livre. Je pense que ça va ensemble. Elle m'expliquera. Et elle m'a mis comme celle comme elle a fait. C'est joli. Hop. Ouais, la dernière fois, tu as dit que tu avais fait 360 découpes. Ça veut, j'en faisais partie. Alors, il y en a beaucoup, hein. Étonnant que tu as eu mal à ton bras. Tu as tourné la manivelle. Il aurait fallu que tu le fasses avec ta Jimini. Tu aurais eu moins mal. Voilà. Ensuite. Tu m'as fait des étoiles. Ouais. Des étoiles, la lune. Ça, c'est ceux d'action. Je les ai, ceux-là. Mais c'est bien, au moins, les découpes, elles sont faites. Hop. Sur du craft, c'est bien aussi.
le petit carrosse. Alors, en écru et en craft. Il est beau le carrosse. J'allais dire, c'est pas le même ici. On l'a en craft. Un petit landau. J'avais pas ça. Elle est belle aussi la découpe, là, dis donc, avec le cœur au milieu. Là, je l'ai en craft. Alors, si j'ai un album naissance à faire, c'est génial. Le petit train avec les petites peluches, c'est mignon tout plein. Tout ce qui avait naissance, j'ai pas. J'ai jamais acheté. Là, un petit cheval sur la lune. Non, n'importe quoi, à bascule. Un deuxième, des étoiles. Ça, c'est celui d'Action, ça. Des cœurs. Et des petites licornes. Merci, Sorette. On va remettre ça. Je ferai le tri après. Hop là. Ensuite, on a des chats. À la fenêtre. Elles sont vraiment belles, tes découpes. Oh, c'est mignon, un petit crabe. Deux. Un dauphin, il y en a deux. Deux dauphins. Des petits papillons. Un petit chien, ça c'est un, comment on appelle ça, un petit coniche. Deux petites pieuvres. Un petit pingouin avec ses patins à glace. Deux petits chiens. Le petit lapin avec sa carotte. Ben, il y en a, hein. Une étoile de mer, ça. Un petit chat. Encore une autre sorte de papillon, je pense. Je pense pas que ce soit les mêmes. Encore des papillons. Un petit lapin. Oh, c'est bien, c'est un hippocampe. Ah, bah si, ça, je dois l'avoir, c'est le Didox sur 600. Un hippocampe. Pas deux. Deuxième étoile. Le petit chat. Un petit Ouistiti. Ah, bah dis donc, ils ont bien mangé, ceux-là. Deux petits pingouins. Ils sont énormes, hein. Encore un petit pingouin avec son bonnet. Trop beau. Encore un petit singe, c'est le même. Le petit coniche. Des cerfs. Les petites tortues de mer. Ah, elles sont belles. Une deuxième. Et une petite biche. Hop. Il y en a, hein. Il y en a, il y en a, il y en a.
Là, on a des petites lanternes, elles sont belles. Avec la petite bougie. Des coins. Ils sont beaux aussi, celui-là. Je sais pas si... Bon, ça doit être une fleur, hein, quoi, comme ça, mais ça... je pense pas que ce soit le papillon. On voit pas bien. C'est beau. Il le fait en vert et là, il y a en rose. Ensuite, on a la petite. Ah ouais, le petit. Comment on appelle ça? La petite veste. C'est mignon, ça. Avec la cravate. C'est marrant ce qu'ils font. Et puis la petite pochette. C'est trop mignon. Et puis la deuxième bougie hein, pour la deuxième lanterne. Il y en a encore, hein. Hop. Eh ben. Alors là, bon, les petits trucs, je les enlève pas. C'est sûrement les. Là, c'est des pour faire les sachets. Hop, il y en a deux. J'ai des rouages. C'est plutôt des horloges. Des coins, ils sont trop beaux ces coins-là. Ils sont magnifiques. Que je vois comment s'en servir, c'est vraiment beau. Là, c'est du muguet. On a des petites fleurs. C'est vraiment trop beau. La deuxième. Là, on a des grandes fleurs. Et là, c'est des roses. Voilà, deux, tout par deux. Ensuite, bah là, ça doit être l'intérieur de... Que je regarde. Je sais pas en fait. Après, il y a ça. C'est très beau. Alors, le dernier sachet de découpe. Oh là, le papier, ça fait avec le papier là, c'est joli. Ça fait, oh ouais, elle est trop belle. Là, c'est pareil. Hein. C'est pas mal. C'est une bonne idée, on dirait. Je sais pas, c'est pas... C'est quoi, le papier, là? Tu me diras, dans quoi tu l'as découpé, Marie? La lune avec une petite fée. Voilà, j'ai été interrompue. Alors, une petite... Des petites fées. On n'en a jamais trop. Hop. Là, c'est une petite fée aussi. Elles sont belles. Voilà, un petit ange sur la lune.
trop bon. Alors, la petite fille avec son ballon, c'est le die d'action, ça. Hop, tout en double. Encore une jolie fée. Là, je l'ai en vert. Un beau vert. Alors, une petite sirène. Deux fois aussi. Ça, c'est le die d'action aussi, je connais. Oh, c'est trop mignon, les petits nounours, ça. Hop. Trop mignon. La petite fille qui traîne son petit doudou. Et en craft. Bah écoute, Marie-Pierre, merci. Tu m'as gâté avec toutes tes découpes. Là. Tout est beau. Ça me plaît. Alors, il y a encore une dernière chose. Alors. Hop. Alors, elle m'a mis un petit clin d'œil sur l'été. Hein. On va découvrir ça. Alors, ça me fait un petit panneau comme ça, en fait. C'est joli, hein. Bonjour Tata, je voulais participer à ton concours et donc je t'ai fait une petite carte sur le thème de l'été. J'espère que cette carte te plaira. Bah, bien sûr qu'elle me plaît. Elle est très jolie. Alors, on va la détailler. Hein. Alors, elle a fait un peu... C'est de la peinture, mais du feutre pour faire le ciel. Elle m'a fait des petits... Bah, des petits ronds qu'elle a colorisés. C'est joli. Une jolie petite fleur qu'elle a superposée. Avec, elle a mis une petite perle. Elle m'a fait un beau soleil. Elle a marqué l'été. Ah ben, tu vois, Lina, je vais l'accrocher dans ma pièce. Je vais essayer de mettre une espèce de petite ficelle pour... c'est joli. Je te ferai voir quand il sera accroché. Et puis là, elle m'a mis une petite fleur. Toute colorisée. À toutes les couleurs, quoi. C'est bien gentil, Lina. J'adore ce que tu m'as fait. Très joli. Même son petit mot, elle l'a décoré. Super. Merci, Lina. Alors, bah, tu sais quoi, Lina? Je te note. Tu seras la numéro 25. Elle n'est pas belle, la vie? Déjà, en plus, tu as décoré l'enveloppe de mamie. Donc, tu as ta participation. Alors, je vais marquer Lina. Numéro 25. Voilà. Alors, Lina et Marie-Pierre, je vous souhaite une bonne chance hein, pour le tirage. Et merci de votre participation. Je voulais dire aussi à deux personnes qui se sont inscrites. Alors, je ne sais pas si... Deux, trois même. J'ai pas encore eu de nouvelles. Je ne sais pas si je vais recevoir ou si elles n'ont peut-être pas le temps. Donc, faites-moi signe pour celles qui se sont inscrites puis que j'ai toujours rien reçu. Alors, si j'aurai votre participation, si vous n'avez pas le temps, si vous voulez que je recule, dites-moi. Sinon, bah, si je n'ai pas de nouvelles, bah, je ferai le tirage début août. Mais il n'y a pas de souci, hein, si vous n'avez pas le temps, il n'y a aucun souci, vous pouvez pas, il n'y a aucun souci. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour l'instant, bah, toutes celles qui ont participé. Hein, c'est bientôt la fin. Et puis je vous souhaite bonne chance. Bye.